C'est parti pour le Grand Prix PGA France FF Golf qui s'invite pour la deuxième année consécutive sur le très jeune golf international de Roissy. À la baguette, Jean Van de Velde, ravi de voir ce tournoi se disputer à nouveau ici. Je suis surtout satisfait que le Grand Prix ait recommencé, on va dire, parce que l'année dernière, on a eu notre première édition ici au Golf International de Roissy. Il me semble que ça faisait un petit moment que ce tournoi était un petit peu en sommeil. Donc, de voir que l'histoire continue et se perpétue, c'est quelque chose de vachement encourageant. Au programme, 3 tours de stroke play avec un cut vendredi soir. Ils sont cette année 80 dans le champ, à défier un tracé qui s'affirme et un vent omniprésent. Il faut savoir exactement dans quelle section il faut laisser la balle. Et puis à partir de là, on le voit aussi, hein, beaucoup de rough qui a poussé. Les roughs secondaires, on va dire, sont très hauts. Donc il y a des lignes qu'on pouvait prendre avant qu'on ne peut plus prendre maintenant. Et il va falloir bien penser pour ramener un bon score. On a vraiment là un vrai parcours de championship qui commence à prendre vraiment un très beau volume. Et que les joueurs qui ont pu s'entraîner en début de semaine et qui ne le connaissaient pas ont trouvé assez exceptionnel. Parmi les participants engagés, on trouve des néo-pros, des enseignants, mais aussi des joueurs plus expérimentés qui sont passés par les meilleurs circuits mondiaux. On a Romain Vatel, Johanna Klaten, ULPGA, Édouard Dubois du Challenge Tour aussi. Donc c'est vrai qu'en face cette année, les calendriers ont vraiment évolué en cours d'année. Donc on s'est retrouvé avec un tournoi du Challenge Tour et un du Alps Tour en face de notre tournoi. Donc c'est toujours un peu compliqué d'avoir un très très gros champ, mais on a des gens qui veulent venir jouer le Grand Prix PGA, sont contents de faire le tournoi de leur corporation, donc ils ont pris rendez-vous cette année pour venir le jouer. Un joli mélange d'expérience, de jeunesse, mais aussi d'avenir, de quoi rendre heureux le directeur du tournoi, enthousiaste à l'idée de regrouper ses profils. Les gens qui sont aujourd'hui des professionnels de circuit sont forcément passés par les mains de professeurs. Donc ils ont été formés par les professeurs pour aujourd'hui être l'élite nationale. Et de les regrouper ensemble, c'est tout ce qui fait l'esprit de cette association. Une deuxième édition à Roissy qui s'annonce réussie. Ce soir, après 18 trous, ils sont 15 à avoir signé des cartes sous le par. Rendez-vous est pris vendredi pour une bataille qui s'annonce accrochée.